voisin qui fait une forte dépression. Hein. Et alors, je suis allée voir hier soir à Glay, à Notre-Dame-des-Anges. Je crois qu'on est bien soigné là, je crois. Et alors, quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte. Il faisait presque noir, c'était avant la fermeture. Je rencontre une infirmière avec un tablier blanc. Elle était plein de taches de sang séché, du brun, tout ça. Elle avait des grosses lunettes d'écaille avec des gros yeux de globuleux. Elle est toute noire. Et en regardant bien la dame, je vois qu'elle avait même un peu de moustache noire. Vous savez, elle était répugnante. Alors j'ai dit, je demande où est mon voisin, évidemment. Attendez, regardez dans son livre. Hein, elle léchait chaque fois les pages. Et je voyais que ses ongles étaient tout noirs. Alors elle me dit, il est à la chambre 666. Oh, elle se signe d'un coup comme ça. Et je vois un malade qui passe. Je dis, monsieur, où est madame militaire moitié, hein? Oh, mais 666, c'est au 6e étage. Seulement, l'ascenseur est en panne. Oui, c'est un nouveau bâtiment qu'ils ont fait, la 6e étage. J'ai monté. Quand je suis arrivée, j'étais essoufflée ici. Il y avait plein de chambres. Et il y avait 60, c'était les pères à droite, les pères à gauche. Ah, je me dis, j'y suis. J'ouvre la porte. Et il faisait sombre. Et je vois un lit au milieu de la pièce. Mais sans rien autour. Hein. Et qu'est-ce que. Je m'apprête à dire bonjour à mon voisin. Et qu'est-ce que je vois? C'était moi que je voyais. Et j'étais attachée, vous. Regardez, j'ai encore des marques. J'étais attachée. Et je criais. Venez me délivrer, venez me délivrer.